Une invention pour lutter contre l'isolement des personnes âgées et elle est normande. Depuis 3 mois, FamilyLink, une start-up rouennaise, commercialise son cadre connecté. Ce cadre à destination des seniors sur lequel les proches peuvent envoyer instantanément des photos légendées. Il est facile à utiliser pour la personne qui reçoit la photo, elle n'a rien à faire. Et l'idée a séduit la CARSAT Normandie. 100 cadres FamilyLink vont donc être distribués en Seine-Maritime et dans l'Eure. Et l'expérimentation pourrait être étendue, Coralie Moreau. FamilyLink, d'apparence, c'est un cadre photo, c'est tout. Le seigneur qui le reçoit a juste à le brancher, rien d'autre. Et c'est toute la force de ce cadre connecté pour son inventeur, Alexis Le Goff, qui l'a créé pour ses grands-mères nonagénaires et qui souffrent de troubles cognitifs. Quand une photo est envoyée, elle est affichée instantanément sur le cadre. Il n'y a aucune action requise côté seigneur. On a voulu vraiment simplifier à l'extrême. Et surtout, sans qu'elles aient rien à faire, parce que pour elles, il ne faut pas qu'il y ait de bouton, pas de menu. Pour la famille qui alimente le cadre, la manipulation est très simple également. La photo est envoyée par mail ou via une application sur smartphone en un clic. Une simplicité qui a séduit le directeur adjoint de la CARSAT Normandie, Jean-François Capocanellas, en charge de l'action sociale. Au travers d'une photo, on envoie une petite pastille de vitamine, un petit moment d'affection, d'amour. C'est bénéfique pour la personne âgée, mais c'est également bénéfique pour le petit-fils qui envoie la photo. Le but, rompre la solitude des personnes âgées qui accélère la perte d'autonomie. Et les résultats sont là pour Jean-François Capocanellas, qui a installé FamilyLink chez ses parents. Dernièrement, grâce à l'envoi d'une photo, dans les 30 secondes, ils m'ont appelé. Ça faisait 4 ans qu'ils ne m'avaient pas appelé. Et en fait, ils m'ont dit, tu viens de m'envoyer une photo et je pensais que c'était le moment de t'appeler. J'allais pas te déranger. FamilyLink, c'est donc la possibilité de renforcer le lien familial autour des personnes fragilisées. Testé sur 100 personnes en Normandie, le cadre connecté pourrait rapidement être proposé à l'ensemble des CARSAT de France.